اختتم المنتخب الإيفواري تدريبه عشية اليوم بملعب الشمس الذي لا يبعد عن مكان إقامته كثيرا استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي برسم مباريات الجولة الثانية من المجموعات الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا. وشهدت الحصة المذكورة حضور جميع لاعبي المنتخب الإيفواري المتواجدون في قائمة الفيلة، حيث ظهر التركيز على وجوه اللاعبين على المواجهة المقبلة أمام الأسود والتي ستكون حاسمة. وأكد نجم المنتخب الإيفواري ماكسويل كورنيا استعدادهم الكبير لهذه المواجهة التي لن تكون سهلة، خاصة في ظل تواجد لاعبين مميزين في تشكيلة الأسود. بيان سور ça sera match très difficile. Donc bah on le sait hein, on le sait en venant ici que tous les matchs seront difficiles. Donc on s'est préparé pour ça et je pense que demain on va tout donner. Est-ce que ça serait une occasion pour la revanche ? Non, il n'y a pas de revanche particulière à avoir. On sait tous notre objectif qui est de sortir des poules. Donc on sait qu'on a la chance de le faire demain. Donc voilà, je pense qu'on sera tous concernés au moment présent. Non, bien sûr que non, en avançant, puisqu'on va essayer de rester sur notre dynamique. On est sur une dynamique positive, on bosse tous bien, on est bien. Donc voilà, on va tout donner demain et puis voilà. Non, il y a pas de pression quelconque à avoir. On sait que ça sera un match compliqué, mais voilà, ça c'est 11 mecs contre 11 autres mecs. Donc va falloir tout donner, ça sera la meilleure équipe qui l'emportera demain. Donc voilà, on va essayer de répondre présent. Non, il y a une bonne ambiance, on est tous une belle bande de potes. Je pense ça se ressent sur le terrain. Voilà, on fait les efforts les uns pour les autres et il n'y a que comme ça que ça passera. Non, bah, on a l'habitude de les côtoyer en club. Mais aujourd'hui, c'est notre équipe qui prime. Voilà, on va se concentrer sur nous-mêmes. Et bien bosser encore aujourd'hui, on a une belle séance. Et puis demain, on aura l'occasion de penser au match. هي إذن مباراة قوية بين المنتخبين، حيث سيحاول المنتخب الإيفواري الانتقام من الأسود بعد إخصائهم من التصفية المؤهلة للمونديال، بينما سيحاول أصدقاء حكيم زياش تأكيد قوة المنتخب المغربي وتحقيق التأهل إلى الدور الثاني.